Là, la femme de ma vie. Avec les factures. Ah, j'ai oublié de filmer quand je coupais le persil avec mes ciseaux magiques. Ah oui. Zut. Voilà, avec une bonne sauce tomate. Et avec ma chérie qui geek. Oui. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je te filme, tu mets le même profil. Celui-là ? Ouais. C'est mon profil caméra. Ah, mais même l'autre, qu'on le voit une fois dans notre vie. Elle est belle, ma chérie. Alors aujourd'hui, c'est écriture des cartes postales pour les membres du Club Werdo. Mais y a une petite surprise, alors je peux pas en montrer plus parce que c'est une surprise. Enfin, c'est les membres hors du Club Werdo qui ils reçoivent leurs cartes postales tous les mois. C'est cool, non? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? J'ai écrit des emails. C'est génial, les emails. Ouais, pour essayer de faire une collab avec quelqu'un. Alors, j'ai cherché sur... Enfin, il y a plusieurs personnes sur Nancy avec qui je pourrais faire des collabs. D'ailleurs, le premier, c'est quand même Experiment Boy. Mais là... je crois que c'est pas le bon moment de lui écrire pour lui proposer une collab. Parce que... Ah ouais, non, je sais pas si t'as suivi, mais... Si ce qui est dit est vrai, le pauvre, là, il est mal, je crois. Hein. Oh, ouais, parce que j'ai lu l'article dans Numérama. Alors, faut pas être pressé, parce qu'il dure 34 minutes, c'est ça, 34 minutes pour le lire. Et là, il prend cher. Donc, je me suis reporté sur d'autres personnes, et notamment Tata Karine. Voilà, donc je viens d'écrire à Tata Karine. Alors, il y a Anna qui a quand même une chance extrêmement ultime, c'est d'être super souple, et elle, elle peut se gratter le dos, mais sans problème, tu vois. Tandis que moi, j'ai eu la souplesse d'un cheval mort, mais mort depuis longtemps, tu vois. Et pour me gratter le dos, système D, j'ai pas le choix. Mais le problème, c'est qu'après, je le remets. pour la prochaine utilisation. Voilà, tu connais mon astuce. Alors, il y a ma chérie qui vient d'arriver et j'ai super mal aux muscles du dos. Et puis, elle me fait des trucs rigolos, regarde. Mais t'es plus dans la bonne zone. Oh, tu m'as coincé un truc. Ouh, il y a la route qui est montée. Faire passer un petit bateau. C'est ça, c'est la route. Allez, on va monter. On va avoir l'impression de monter. Tu rêverais pas d'être en voiture là? Ah si. Et puis à fond là. Ah non, pas à fond. Et faire une cascade? Ah non. Juste d'être à l'arrêt, c'est bien. Et là si on regarde, on a l'impression que c'est nous qui montons. Oui, c'est trop génial, j'ai l'impression d'être sur un manège. Un manège qui fait pas trop peur. Bah on sait pas, peut-être qu'on redescend d'un coup après. Ah. Comme dans la tour de la terreur. Attention là, ça va faire du bruit. Ouais. Ça se trouve. Bon, allez, on va boire une bière. Ah non, mais c'est parfait. T'as bavé en buvant. Non, c'est mes petits glaçons en plastique qui ont glissé d'un coup dans le verre et ils ont ramené toute la boisson d'un coup vers et ma bouche. Pourquoi tu bois pas les glaçons en plastique? Parce qu'ils sont en plastique. Chérie, ton terrain, c'est il pleut là. Et alors ouais, il a fait tellement chaud. C'est quelques gouttes comme ça, ça fait du bien. Parce que t'es chaude. J'ai un peu chaud, ouais. Moi j'ai craché. C'est quoi ça? C'est un bébé chat. Un bébé chat, mais qui est petit. Il a combien de jours? 4 jours, selon la vétérinaire. Ah, mais il a trouvé le biberon. Ah oui, mais lui, on lui dit que la tétine c'est de l'autre côté. 4 jours. Ah oui, mais à cet âge-là, encore là-dessus, il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller à l'instant. Raph, c'est l'heure de donner à manger à ton petit. Non, ça doit être froid. Faut le réchauffer. Oui, faut que tu réchauffes. Et puis que tu réchauffes, là, que tu refroidisses ça aussi. Mets-le entre tes jambes. 3 jours, sans déconner. Mais tu l'as déjà vu. 3 ou 4 jours, pas plus. Il a les yeux fermés. Mais regarde sur le riz. Je veux voir. Ah oui, c'est petit. Tu veux voir ma bite? Merde. Ah oui, il y a des enfants, non, on dit pas des trucs comme ça.
Et pourquoi tu me mets dans une bassine à linge dégueulasse? C'est parce que c'est là que je lave les cheveux des gens que j'ai au boulot. Ah, c'est quoi ton boulot? C'est vrai. Je suis touriste. Ah oui, d'accord. Au Club Med. On n'en dira pas plus. Sérieusement, Cyrielle. Oui. Le mec là, c'est pas le mec qui vous fait le surstroming? Exactement, c'est lui, ouais. C'est aussi le mec qui lui a fait les fesses. C'est chouette. Je suis désolé, c'est pour mon vlog, mais il n'y a pas grand monde qui regarde. Hein. Mais oui, c'est chouette. N'empêche que je me demande qui c'est ce fameux Robert. Voilà. Alors, ce qui est génial avec le masque, c'est que t'as les oreilles décollées, tu vois. Doui, tu connais? Oui, ça, alors, oui, ça marche aussi pour faire des bébés. Oui, tu parles de quoi? De comment on fait les bébés. Et on fait comment? Eh ben, c'est la bite du papa qui va dans le vagin de la maman, et puis il crache la sauce, et puis ça fait des comment bébés. Comment ça, fallait que je me tape une mère pour baiser? Ah, parce que moi, je me suis tapé que des gonzesses. Ah, mais non, il y en avait une non, qui était mère. Non, tu t'es tapé un chat, et regarde le résultat. Ouais, excellent, une chatte. Il bouge encore? Il est là! Oui! Et le chien? T'en penses quoi du nouveau petit chat? Tu t'en branles, hein? Ouais. Bon alors, Lou, là je suis avec Lou, et Lou, voilà, tu l'as déjà vu dans une vidéo, et Lou est d'accord pour un truc, parce que regarde la tignasse qu'elle a. Non, montre ta tignasse. Tu veux que je montre? Oui, ben montre, montre! Et j'ai expliqué à Lou que j'étais en train de faire une formation de coiffeur et j'aimerais bien lui coiffer les cheveux, enfin refaire sa coupe un petit peu parce que là t'as les pointes qui fourchent, enfin t'as des fourches sur les pointes, ouais, voilà, cousin machin. Donc et elle m'a dit quoi? Tu as dit quoi, Lou? J'ai dit oui. Elle a dit oui. Cyrielle? Oui. Alors je sais que t'aimais pas mes ongles de pied. Oui. Voilà. Mais Cyrielle, est-ce que tu accepterais de te faire couper les cheveux un petit peu? Parce que là, tes pointes, elles puent du cul. Mais après, pour faire quoi? Je te fais un truc design. Tu sais, moi, on m'appelle Jean-Pierre Desange. Hein, donc, Jean-Pierre Desange. Je sais pas si j'ai confiance. Si. Au pire, tu coupes juste les pointes. Que les pointes, bien sûr. Mais tu sais, j'ai donc, bien... Donc tu acceptes? Il y a Lou qui vient d'accepter. Hein. Mais que les pointes, monsieur oui. Werdo, que bien les sûr. Pointes. Bien sûr. Non mais, bien sûr. Sûr. Bien sûr. Ouais. Allez, j'accepte. J'ai entendu qu'il y a une preuve. Putain, il est 23h. Chérie, t'es où? Ah, c'est pas ma chérie, c'est qui? Oh putain, c'est le mec qui est... De toute façon, on ne voit pas. Voilà, et ben on va rentrer manger, mais en fait, on n'a rien à manger. Et là, quand j'ai dit à ma chérie, j'ai dit, ben qu'est-ce qu'on mange? Parce que c'est bien beau, tu m'envoies prendre un apéro. Enfin, on va prendre un apéro. Et on devait manger un truc super cool. Et là, je lui dis, mais on mange quoi? Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Ben on a des bolineux, chérie. Voilà. Je crois que pour le vlog du jour, on va couper. Des bolinos, sérieux.